Bienvenue, bienvenue dans Society. Chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose ici, du côté de Bordeaux-Codéran, 12e édition du tournoi de tennis BNP Paribas de la Villa Primrose. Tournoi de tennis national et international. La terre battue est présente dans ce club de tennis très réputé. Un avant-goût de Roland-Garros. Nous sommes devant la salle de presse. Une quarantaine de journalistes sont accrédités depuis le début de cette semaine. Évidemment, le journal Sud-Ouest, l'agence France Presse, l'AFP, la radio RMC et bien sûr TV7, puisque vous nous suivez depuis le début de la semaine. Tous les directs ont été réalisés ici. On vous donne d'ailleurs rendez-vous ce samedi à partir de 14h pour suivre les deux demi-finales et dimanche pour la grande finale en direct à partir de 15h sur TV7. Donc, et Raphaël Horenbuch est ici depuis le début de la semaine. Raphaël, c'est intéressant de délocaliser, de quitter un peu le plateau, de quitter nos studios et de couvrir l'actualité bordelaise et girondine, mais depuis un événement comme celui-là. Oui, tout à fait. Déjà, nous, parce que en tant que journaliste, ça nous change d'avoir un autre décor et d'être vraiment au plus près de l'actualité. Là, en l'occurrence, c'est une actualité sportive, mais après, ça peut marcher pour n'importe quel type d'événement. Là, on le fait pour Primrose parce qu'on a estimé que c'était un événement important pour les Bordelais. C'est quand même la Villa Primrose. Je crois que c'est le club de tennis le plus ancien de France. Là, c'est la 12e édition. Il y a des gros joueurs cette année. Donc, pour nous, c'était important d'y être. Et puis, on a fait une petite particularité, c'est qu'on a délocalisé pas seulement donc, la partie sport, mais toutes les émissions. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir pas juste des résultats sportifs, mais aussi les coulisses, l'ambiance et de faire vraiment une antenne uniforme autour de cet événement. Oui, c'est vrai, hein, l'émission consacrée au vin de Michel Cardoz, l'émission économique, bref, et Society aussi, mais ça, c'est un peu normal parce que je suis beaucoup sur le terrain, moi, rarement en plateau. Ce qui était génial, franchement, Raphaël, c'est que sur le plateau de TV7, on en a vu des beaux noms, des grands noms de champions d'hier et d'aujourd'hui. Oui, alors ça, c'est surtout Bastien Loquet, c'est lui, hein, le monsieur sport de TV7, ça a toujours été ça. C'est vrai qu'il a reçu sur le plateau, notamment mercredi, je crois, c'était Julien Beneteau. Il y a Tsonga qui est passé juste là, juste derrière, à la Villa Primrose, et il passait régulièrement derrière notre plateau après ses matchs. Donc on a pu le héler, l'interpeller comme ça facilement. Et ouais, c'est vrai, moi, bon, le tennis, c'est pas mon truc à la base, mais là, d'être dedans comme ça, ça m'a permis de comprendre un peu mieux comment ça marchait, de voir des beaux matchs, parce que c'est vrai que Lucas Pouille, par exemple, la tête de série numéro 1, on a pu le voir jouer juste derrière notre plateau. Tsonga, pareil. Enfin voilà, c'était vraiment des grands noms et des beaux matchs qu'on a pu voir juste derrière notre plateau et qu'on va suivre en direct ce week-end aussi sur TV7. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier, de rencontrer aussi des univers qu'on ne connaît pas forcément. Exactement. Je vous laisse travailler derrière, vous le voyez. Merci Raphaël, que vous retrouvez bien sûr tous les jours sur TV7. On salue le monsieur de la sécurité qui nous accueille. Et nous allons aller à la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis, car chaque année, ici à la Villa Primrose, il y a des journées consacrées aux enfants, des journées consacrées par exemple à la jeunesse. Il y a aussi des journées consacrées aux partenaires, aux entreprises. Et il y a aussi toujours une journée consacrée aux femmes, les femmes, la présence des femmes dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport. Et c'est avec vous qu'on va en parler, Marie-Francescu, puisque vous êtes membre de la commission féminine du comité de Gironde en tennis. Qu'est-ce que c'est que ce comité? À quoi ça sert, Marie-France? Ce comité de Gironde de tennis, comité de Gironde, donc commission féminine, veut promouvoir la pratique du tennis féminin et notamment relancer la compétition chez les féminines, car on s'est rendu compte qu'il y a de moins en moins de filles inscrites dans les tournois. Tiens donc, ça c'est intéressant. Alors comment ça s'explique? Alors peut-être les filles, les dames ont moins le goût de la compétition, c'est possible. Le tennis, les tournois de tennis sont très contraignants parce que souvent on est obligé de faire les matchs en soirée. Donc il y a aussi allier la vie de famille ou les études et les matchs le soir. Donc on propose plusieurs opérations pour essayer d'amener les filles à la compétition. Et ça commence notamment par l'action en avant les filles, qui est une action à l'échelle Ligue Nouvelle-Aquitaine, qui veut amener les jeunes filles de 7 à 12 ans à participer à une journée avec des petits matchs, des animations, en espérant que plus tard, ces petites filles auront le goût pour ensuite s'inscrire dans des tournois adultes. Ouais, c'est intéressant parce qu'on l'a vu ces dernières années, notamment la médiatisation du football féminin. Oui. On en parle beaucoup parce qu'en ce moment, on parle du mondial des Bleus avec un E et un S, bien sûr. La présence aussi du tennis, de ce sport-là, dans le monde féminin, c'est quelque chose aussi qui est important parce que c'est parfois moins médiatisé.
C'est un peu moins médiatisé. Il y a évidemment en France de grandes joueuses de tennis, mais on s'est aperçu, par exemple, sur l'apparition en avant les filles, en faisant un rapide questionnaire, les petites filles ne connaissent pas bien nos joueuses de tennis. Mmh. Elles ne connaissent pas bien Caroline Garcia, Kristina Mladenovic. Donc je pense qu'il y a du travail également à faire en termes de communication sur nos meilleures joueuses françaises. Et c'est intéressant parce que finalement, comme vous disiez, c'est aller à la rencontre de ces jeunes filles très jeunes, parce que c'est là qu'est la clé. Oui, absolument. Leur donner le goût voilà, des petits matchs et puis aussi se retrouver, même si c'est un petit peu de compétition, c'est aussi de la convivialité. Et ça, on essaie avec ces actions-là de l'amener. Et puis la vie, hein, de toute façon, est une compétition. Françoise Campèche, en un petit mot, on est content parce que depuis le début de l'émission, je rencontre une journaliste, des femmes. On va encore aller voir d'autres jeunes femmes, des étudiantes. Vous êtes la présidente de la section tennis pour l'Union Saint-Bruno à Bordeaux. L'Union Saint-Bruno, c'est beaucoup de joueuses ? Oui, en termes de licence, de licenciés, nous sommes à 796 adhérents. Mm-hmm. Et énormément d'équipes qui jouent en compétition, un tiers seulement d'éléments féminins. Mais nous accueillons tout de même au mini-tennis des enfants âgés de 4 ans et demi. Et tous les ans, nous avons des éléments qui se détachent, notamment Camille Grimoux. Qui joue cette année à Primrose. À Primrose, mais que nous avons formé, je tiens à le souligner. Donc nous avons ici une joueuse qui était dans votre section. Oui, oui, qui est arrivée à l'âge de 4 ans et qui a évolué dans notre club et qui arrive maintenant dans le top 10. Des joueuses féminines dans sa catégorie. Et ben voilà, cela explique bien l'importance de montrer ce sport-là aux jeunes femmes. Merci beaucoup mesdames, la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis. On va aller voir d'autres jeunes filles, Camille et Anaïs. Elles sont étudiantes car figurez-vous qu'ici, il y a beaucoup de bénévoles et notamment dans les équipes d'animation. La grande société, la grande structure qui organise toute l'animation autour de Primrose, c'est l'entreprise Côte-Ouest qui appartient au groupe Sud-Ouest. Et Camille et Anaïs sont étudiantes. L'une est étudiante à l'EFAP, l'école française des attachés de presse à Bordeaux, et l'autre travaille pour Subdeco à La Rochelle. Venez les filles, venez me rejoindre les filles, regardez comme elles sont souriantes, elles ont la patate, ça va les filles ? Camille et Anaïs, venez, on va marcher ensemble, hop, on va se marcher. Alors vous, quel est votre rôle là ? Vous travaillez ici pour Côte-Ouest depuis le début de cet événement, mais même bien avant. Exactement. On s'occupe de l'organisation avant, faire en sorte que tout soit prêt, que les stands soient prêts, que le tournoi se déroule bien. Et Camille s'occupe plutôt de la promotion avec la communication, voilà, et les réseaux sociaux. Et normal, parce que Camille arrive de Subdeco. Non, de l'EFAP, donc la communication. Exactement, donc en amont et pendant le tournoi, on communique sur les réseaux sociaux et avec les influenceurs en partenariat. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça a beaucoup changé depuis quelques années. Les influenceurs, Instagram notamment, les blogueurs, c'est-à-dire toute cette communication parallèle à la presse, on va dire, traditionnelle. Toi, tu t'en rends compte que cette année, par exemple, ce travail-là, il est important pour faire écho à ce tournoi ? Oui, parce que les influenceurs proposent des jeux concours qui permettent de promouvoir le tournoi. Donc forcément, c'est un atout fort pour l'événement. Alors, être stagiaire dans un événement comme celui-là, on peut dire que vous êtes super loin du stage photocopie et machine à café. C'est vraiment formateur. On apprend à gérer la pression et il y a une bonne ambiance entre nous. Du coup, c'est vraiment cool. Ce qui est vraiment intéressant dans une expérience comme celle-là, c'est que vous êtes dans le monde de l'entreprise, la réalité du terrain. Parce que derrière un tournoi de sport, il y a de l'entreprise, du partenaire, des médias, des blogueurs, des influenceurs, la presse, tout ça. Vous découvrez tout cet univers-là ? Oui, en tant que stagiaire, il n'y a pas plus formateur que ce type d'événement. C'est une chance pour nous. C'est une chance pour vous. Toi aussi, oui. Tu penses ça ? Pareil, tout pareil. Et en plus, vous passez à la télé. Merci beaucoup et bonne fin de stage. On va terminer avec cet espace-là. Alors regardez, c'est un espace assez ludique où toute une jeunesse fan de tennis s'échauffe, profite d'un terrain de tennis gonflable. Et surtout, tous ces jeunes que vous voyez ici, eh ben, pour certains, sont des ramasseurs de balles, les fameux ramasseuses et ramasseurs de balles. Et on va en parler avec François Pavillon. Vous êtes le responsable des animations. Parce que alors, beaucoup de jeunesse, hein. Regardez comme ils sont. Regardez-moi cette belle énergie. François, racontez-moi, responsable des animations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer de maîtriser un petit peu les équipes, de faire des doubles ouais. Et d'arriver à leur faire 5 points, soit en volée ou soit avec le jeu, bien sûr, les bases du tennis, avec toute la difficulté, comme vous le voyez, du trampoline, où on essaie de leur faire de la volée.
et du jeu sans que ça dégénère trop. Hein. Exactement. Alors c'est très cadré, hein, ce tournoi de tennis Primrose, parce qu'il y a vous, responsable des animations, il y a aussi autour de vous des coachs qui vont coacher ces jeunes qui, eux, deviennent ramasseurs de balles, parce que pour certains, ils vont ramasser les balles à la finale ce dimanche. C'est ça, tout à fait, oui. C'est les personnes qui vont après, effectivement, faire ramasseurs de balles pour le week-end. Alors ils sont où les ramasseurs de balles là? Ils sont là. Alors vous avez travaillé tout au long de la semaine, vous avez ramassé déjà des balles, oui. Vous avez encadré des matchs avec des stars. Bien sûr, oui. Bah oui, Lucas Pouille, Wilfried Tsonga, Adrien Manarino, etc. Alors comment est-ce que vous avez atterri dans l'aventure? Bah alors on s'est inscrit auprès de Luc Cerdan, notre chef, notre dirigeant. Et puis ensuite, il y a eu quelques journées d'entraînement, ouais, et de sélection. Et donc ensuite, on a eu rendez-vous pour ramasser les balles tout au long de la semaine. Alors, c'est quoi la règle pour être un bon ramasseur de balles? Pas faire de bêtises. Et être concentré. De bien rouler. Comment? De bon rouler, de bon lancer. De regarder s'il demande la serviette. Regarder le joueur. Être concentré et anticiper ce qui va se passer. Et vous avez vu comme ils sont motivés, ils veulent me répondre à toute vitesse là. Bah oui, mais c'est vraiment important. Alors que là, il y a des plus grands aussi. Il y a toutes les générations. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui allez vivre la finale de dimanche? Vous allez. Alors si j'ai bien compris, toi tu me disais en préparant l'émission, on va se relayer pour pouvoir tous être ramasseurs de balles pendant la finale. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Laissez répondre le plus grand. Bah en fait, chaque fois, on est 6 par rotation et il y a plusieurs équipes et on tombe toutes les 20 minutes ou tous les 4 jeux. Est-ce que pour vous, vous réalisez aussi un rêve d'approcher des joueurs classés ATP quand même? Bien sûr, oui. Jo-Wilfried Tsonga par exemple, qui a été 5e mondial. Ou Lucas Pouille, qui a été très très bon. Et toi, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? Pas ce métier-là, je veux faire pilote d'avion. Ah, pilote d'avion. Bah, en tout cas, tu as l'air d'aimer le tennis. Oui, très... Beaucoup. En tout cas, c'est une bien belle aventure pour vous. Et puis vous arrivez, c'est ça qui est intéressant, de Bordeaux, mais aussi de toute la Gironde, oui, parce que ces ramasseurs de balles sont vraiment motivés. Et vous venez de partout, hein, c'est ça, hein. Oui. Exactement, une belle aventure. Bon, alors attention, pour la finale, silence, respect, et toujours regarder le joueur dans les yeux. Et n'oubliez pas donc, hein, les demi-finales et la finale, bien sûr, seront retransmises en direct sur TV7. Merci les jeunes, merci à vous. Salut, bonne semaine sur TV7, ciao.